crois que j'ai pas fait de vidéo. Remets mon siège correctement. C'est bon, là on peut commencer. Les gars, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. 2 mois. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon setup YouTube de 2021. Allez, c'est parti! Présentation de mon chat, il s'appelle Brad Pitt. Miaou. Alors tout d'abord, commençons par le PC Gamer. Alors ce qui a changé, c'est juste que j'ai installé un pod freezer Thanos au-dessus de la carte graphique. Ensuite, on a l'écran de chez Samsung. Ensuite les gars, on a l'écran de chez Asus. J'ai enfin un deuxième écran. Ensuite voici mon microphone. Un microphone de chez Tonor. M'a proposé de changer de micro, mais non. La caméra. Bon, je vais pas changer. Alors c'est une ITWORK A229. Ensuite, on a un casque de chez JBL. Alors c'est un JBL Quantum 400. Je vais l'allumer. Il est vraiment magnifique. Donc voici les haut-parleurs. Ensuite, voici ma nouvelle montre de chez Samsung. Alors c'est une Galaxy Watch Active 2 de 44 mm. Alors il est 18 h. Ensuite, on a la nouvelle souris de chez SteelSeries. Alors c'est une SteelSeries Rival 3. Regardez, j'ai paramétré les couleurs. Voir que j'ai représenté le drapeau français. J'avais fait une vidéo là-dessus. Je vous mets la miniature à l'écran, n'hésitez pas à aller la voir, elle sera en description. Et ensuite, voici mon nouveau clavier de KeyOne 2 SF. Et écoutez, j'adore. Comme vous pouvez voir ici, on peut changer les touches. L'autre clavier, je l'ai vendu à quelqu'un. Avant, j'avais un Logitech G213, mais j'aimais pas trop. Alors pour changer les lumières, ben, il n'y a pas d'application. Il faut le faire sur le clavier. Il faut appuyer sur la touche F, N, puis Alt, et après vous appuyez sur la touche T. Regardez. Bon, je suis obligé de faire avec une seule main car ma deuxième main est occupée par mon téléphone. Regardez. Ensuite, on a la PS4. Ça fait 3 ans que je l'ai. Et la Wii U. Ensuite, voici l'Apple TV. On a aussi l'alimentation du microphone. Et voici un tapis de souris de chez Razer. J'ai pas changé. Alors, c'est un Razer Goliathus Chroma. Et ici, j'ai mis une lumière. En fait, si j'ai mis une lumière, c'est pour pouvoir m'éclairer quand je fais les vidéos. Sinon, ça serait pas très top. Présentation de mon siège gamer M Favour. Une valeur de 100 €. Et maintenant, place au studio. Donc, présentation de ma casquette. Zelda Majora. Ensuite, voici les dessins que j'ai fait. Voici un poster de GTA Online. Ici, on peut voir que j'ai aussi installé des étagères. Alors, voici une lampe Minecraft. Faudra que je change les piles, le Wii U Gamepad et un Rubik's Cube. Il y a aussi un ruban LED. Bon, ça c'est une pièce que
J'ai acheté en souvenir en Ardèche, en colonie de vacances. Ensuite, la boîte de mon téléphone, que je suis en train de filmer avec. Ensuite, la Super Nintendo et le diplôme de décolletage de mon ancien lycée. Et ça, avant que je quitte le lycée, il y a des surveillants qui m'ont fait une jolie lettre et je tiens à les remercier. À bientôt, Quentin. Très gentil de leur part. Alors ici, on a la Wii. Il faut que je trouve les pièces. Ensuite, on a le crâne de sanglier que j'ai trouvé au lycée. Malheureusement, le surveillant ne veut plus le voir. Le surveillant de l'internat. Mon casque de PlayStation VR. J'ai mis ici. Avec deux manettes Move. Voici mes jeux PS4. Mes jeux Wii U et Wii. Et voici les boîtes des composants de mon PC. Avec la boîte de la Galaxy Watch Active 2. Et une lampe Star Wars. Ensuite, on a la boîte du PlayStation VR et la boîte de mon clavier gamer de KeyOne 2 SF. Ensuite, on a la key du 1055 de Lance Saunier, la key de la victoire. Ensuite, on a les deux manettes PS4. Elles s'appellent DualShock 4. La Nui 3DS XL que j'ai eu pour mon anniversaire en 2016. On a une montre connectée. Peut-être que je vais la vendre sur internet au moins 10 euros ou 5 euros. Ensuite, voici des livres de jeux vidéo. Fortnite, avec un réveil Star Wars. Et voici mon lit. Donc c'est les gars, j'espère au moins que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner et surtout de la partager aux autres, ça fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les potes.